Deux. Attention, il a joué l'année dernière en NBA ce jour-là avec Indiana et Denver la saison précédente. Oh. Un petit peu difficile ce qu'a tenté Georgie Adams. Oh, oh, jolie technique là, wow. Oh, quel panier extraordinaire de Jerome Allen. Quelle manière de ballon. On vient d'en avoir la démonstration. Il ne nous a pas régalé au niveau des tirs. Ça, c'est le jeu NBA. Hein. Il nous fait un moulin avant. Base pour Hugo Cancé. Ah, il aime bien venir à l'intérieur. Il a vraiment des qualités techniques de pénétration. Jerome Allen. Il y avait pourtant une forêt de Villeurbanne. C'est le jeu NBA. Un mètre. Oui, dans la vieille maison des sports. Et une interception. Oh, boum. Et en plus, il dunk. Jerome Allen, il va vite, il réclame la faute. Alors, regardez, à mon avis, on voit une petite faute sur le bras gauche, mais l'arbitre peut... Et shoot à 3 points. Jerome Allen. Oh là là, super. Je vous disais que c'est un joueur athlétique. Il va aller dunker carrément sur la tête des pivots adverses. Bon, c'est vrai qu'il est assez maladroit jusque-là à 3 points, mais quelle pêche, quel détente pour un petit meneur. Petit par la taille, grand par le talent. Quelle qualité de jambe, Jerome Allen. Il a d'abord éliminé son coup pour ensuite se venir des pieds du boss. C'est quand même un jeudi noir pour les clubs français en Euroleague avec les défaites de Paris et de Limoges. Oh là 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 là! Extraordinaire, Jerome Allen! Oh, le dunk qui fait mal! C'était un des plus beaux paniers de la saison. Oh, c'était vraiment impressionnant ce qu'il a fait là. On appelle ça le tomahawk dunk, un coup de hache pour placer ce ballon dans le panier. Quand on sait qu'Allen fait à peine 1m84. À prise d'appel, pratiquement ligne de lancer franc. Bon, disons sur la ligne pointillée, il ne faut pas exagérer. Le public qui se réveille, Limoges. Oh oui. Oh, c'est bien fait de la part de Jerome Allen. Accordé avec un premier pas extrêmement rapide. Premier pas rapide, crossover, il passe le ballon devant et hop, entre les jambes. Il va s'appuyer sur Thierry Gadou pour provoquer la faute et marquer deux points. C'est beau. NBA. Regardez ça, j'aime bien l'appui sur Thierry Gadou pour attirer la faute. Il y a plusieurs choses à faire. Hein. Ou vous attendez et vous shootez au dernier moment, ou vous faites provoquer une faute, ou vous allez... Enfin bon, regardons et... Beaucoup de calme, beaucoup de sérénité de la part de Jacques Monclar. Et de Jerome Allen également. Il reste 7 secondes. Il vient de marquer à la dernière seconde et c'est gagné. C'est gagné, Jerome Allen a marqué le panier qui a tué ce match puisqu'il permet à Limoges de s'imposer sur le score de 69 à 68. Une fin de match au couteau, je vous l'avais dit, mais surtout ce qu'il vient de faire là, Jerome Allen, eh bien c'est fort, ça va faire du bien à Limoges. Limoges qui avait connu des difficultés et une fin de saison, une fin d'année mouvementée, s'est remis sur les rails en battant le champion d'Italie qui n'avait perdu qu'un seul match dans cette Euroleague. 69-68 pour Limoges. J'espère que vous avez passé un bon moment. Qui en dessous était marqué un moment par Frédéric Poteau. Et voilà. Et deux points de Jerome Allen. Faute de Suisse. Pénétration ligne de fond. Il va au contact. Regardez, contact toujours. Et il baisse les bras, oui. Oh. Peut-être mieux le voir sur cette action. Oui, c'est un tout petit peu sévère pourtant, au vu surtout de l'engagement sur ce match. Inimaginable. Et Allen qui relance très très vite après panier marqué. Regardez ça. Oh, quelle action! Oh là 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 là! Limoges nous impressionne avec leur intensité, les deux côtés du terrain. Qu'est-ce que vient de faire Jerome Allen? C'est excellent. De Limoges est complètement dominatrice. Alors le dunk, l'action du match qu'on a vu tout à l'heure, et on va le revoir avec notre caméra motorisée derrière le panneau. Ça, c'est une belle innovation. Passe vers Strulens à l'intérieur, il est contré. Et encore un ballon récupéré par Jerome Allen. Magnifique action. On dirait un match de NBA. Et tout a démarré avec
un kick en haute altitude de Weiss, puis le jeu collectif et la finition spectaculaire d'Allen. Quelle première mi-temps de Jerome Allen aussi. Il a tenté quelques shoots. Tout à l'heure, il a obtenu deux rebonds, une passe décisive contre Zizek. Wow, quel shoot à trois points. Une missile de Jerome Allen, son troisième panier à trois points. Pourtant, c'est pas... C'est à 0 sur 4 à trois points, par exemple. Limoges de nouveau devant. À 13 minutes, Allen, Allen encore à trois points. Il est bouillant, il est bouillant, il est confiant, il est chaud. Et c'est lui qui est en train de refaire un mini-break en faveur des Limougeaux. Jérôme Allen étincelant dans cette finale. En université, 18,5 de moyenne sur 4 saisons NCAA. Lui qui a joué plus de 30 matchs en NBA. Oh, Allen à son tour! Quelle fin de match spectaculaire! À l'image de Jérôme Allen qui nous ont régalé en fin de match. Je pense qu'on peut regarder rapidement. Didier Gadou. Oh, là encore une interception de Jérôme. Donc, Allen, quel showman. J'adore ce joueur, faut le dire. Quelle tonicité. Bon, on a la chance d'avoir un ancien joueur NBA qui a toujours le niveau NBA. Jérôme Allen, venez le voir dans nos salles. Ah oui.